Ah, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chaos. Alors on se retrouve aujourd'hui comme convenu pour l'ouverture rétro. Ce coup-ci sur de l'appel des légendes, donc on a dit qu'on ferait 6 boosters. Donc on va y aller tout de suite, on va pas perdre de temps. On va voir de prendre 2 illustrations de chaque, donc il nous faut un Deoxys, un Kyogre, un Lugia, un Deoxys, un Groudon. Et pourquoi j'ai dit de chaque alors que ce sera pas de chaque? Attendez, attendez, attendez. Tac, tac, tac. Alors ça c'est bon. Bah ouais, mais non. Bon, bah on va se prendre. Écoutez, je sais pas ce qu'on va se prendre. On va se prendre du Lugia, il y en a pas beaucoup, hein. Ouais, mais je vois Lugia, moi. Tac, on va faire ça comme ça. Hop, on laisse ça de côté. On va juste le mettre là. Et on va y aller. On va juste garder les Lugia pour la fin. On va commencer avec les Deoxys. Parce que Deoxys et moi, ça fait 15. Et on va y aller comme ceci. Voilà, nickel. Bon, eh ben allez, on est parti. On perd pas de temps. Donc là, je suis désolé, il n'y a pas de code. Hein, du coup, appel des légendes, il n'y en a pas. Mais je veux juste voir si j'ai encore un petit zoom. Moi ouais, j'avais un tout petit zoom, mais bon, ça ne doit pas changer grand-chose. Tac, on fait du 1, 2, 3, et on ne changera pas la reverse parce que, bah, parce que j'ai pas envie de les abîmer. Allez, c'est parti, petit aquali, trop mignon. On enchaîne l'énergie, énergie, métal, Watt-Watt, Snubbull, Teddy Ursa, Fampi, Evoli, Magby en peu commune reverse, pardon. Décidément, et on termine avec un petit Magirev en rare. Bon, la carte, enfin, toutes les cartes d'ailleurs de cette série sont vraiment belles. Donc, au moins, voilà. Par contre, on avait dit qu'on mettrait toutes les rares sous protection. Alors, attendez. Tac. Oui, c'est pas grave, hein. Surtout quand c'est des séries comme ça, c'est très bien de les avoir sous protection. Paf, comme ça, au moins, s'abîmeront pas des masses. J'en profite aussi pour vous dire que demain, exceptionnellement, il n'y aura pas. Waouh, il n'y aura pas de. On vous fait plaisir. Parce que demain, bon, c'est une journée un peu spéciale. Donc il y aura une vidéo un peu spéciale. Voilà, donc exceptionnellement, il n'y a pas de vidéo. Donc de on vous fait plaisir. Bon, ce ne sera pas une vidéo énorme hein, qu'il y aura demain. Ce sera un petit truc. Mais voilà, donc au moins, bon, vous êtes prévenus. Donc ceux qui voulaient absolument avoir le on vous fait plaisir. Ça servira à rien de passer demain, je suis vraiment désolé. Donc allez, Macronium, méthode d'entraînement du prof Orm. Mime Junior, Malos, cette carte est trop trop belle. Ramolos, Magmar, Smogo, Caïminus, Aquali en reverse. Et on termine avec un petit Roucarnage en rare. Alors attendez, je prends toujours cette petite protection. Tac. Bon, c'est pas super fameux pour le moment. Bon, il nous en reste encore 4, on sait jamais, hein. Hop, ça, on ouvre. On se refait du 3. Et on y va. J'ai essayé de mettre la caméra autrement. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est mieux ou pas. Hein. Bon, perso, je sais pas. Je sais pas, donc voilà, à vous de me dire. Donc alors, Ferrisson, Magby, entraînement de sage, Fampi, Evoli, Kikli, Sac de nœud, Misdibule, entraînement de sage en reverse. Et on termine avec Dialga holographique. Bah nickel, au moins ça fait une holographique et on ne l'avait pas. Donc comme ça viendra compléter. On enchaîne. Bon, je préfère quand même la Dialga Shiny, le SL, je sais plus combien. D'ailleurs, c'était la combien là cette Dialga? Tac tac tac, c'est la 3. Ok. Oui, je confirme, on ne l'avait pas. Et on enchaîne. Alors, Crocodile, Archive des Recherches, Voltali, Caïminus, Magmar, Malos, Feuforêve, pardon, Goupix, Kelorior en rare reverse, donc qu'on mettra sous protection. Et on termine avec un Démolos holographique. Nickel, parfait. Voilà, bah ça c'est un joli booster. Ouais, deux super cartes en plus, c'est nickel. Alors, la première. D'accord, j'avais deux protections. Donc la première sous protection, paf, et la deuxième aussi. Bah c'est bien, non non franchement c'est bien. Voilà, quand on sait que en général il y a quoi? Il y a deux légendes par display. Bon, on les a pas encore tapées dans celui-là, donc à la limite voilà. Mais au moins on aurait eu quelques holos et des cartes assez jolies. Donc ça c'est bien. Vous savez quoi? Hop, allez, on va changer ça comme ça. Voilà.
Donc on y va avec un petit l'énergie double boule sans commentaire sur cette carte. Méthode d'entraînement du prof Orm. Malos, Feu Forêve, Goupix, Taignon, Ramolos, Roigada en rare. Et on termine avec un petit Smogo en reverse. Allez, c'est parti, dernier booster. Donc, écoutez, on va faire pareil, on va faire 1, 2, 3 et on va faire 1 et 1. Comme ça, au moins, bon, voilà, ça m'énerve un peu parce qu'on peut l'abîmer. Mais bon, c'est vrai, ça garde un peu plus de suspense, comme on dit. De suspense, hein, oui, je sais, mais... Donc, Riolu, Crocodile, Aquali, Kikli, Sacdene, Misdibule, Germignon, Smogo. Ouah, elle est belle. Elle est belle. Philali en holo. Donc en rare, donc derrière normalement il n'y a pas de légende. Hein. Ouais, tac, oh bah nickel, ça reste quand même une petite rare. Donc attendez, je vais mettre ça là, comme ceci. Et pareil pour la Philali, on ne l'avait pas. Comme ça au moins on pourra dire que ça aura été une chouette ouverture pour compléter. Faudra que je regarde pour le reste, pour les reverse et tout. Mais bon, voilà. Donc tac, alors attendez. On va faire ça comme ceci. Il y avait ça. Tac et tac. Voilà, nickel. Donc du coup, bah, le petit récap, bon, les deux qui sont là, à la limite, bon, voilà. Donc il y avait la Dialga, attendez, voilà. Il y avait la Dialga holographique, donc on n'avait pas, donc ça c'est génial. La Démolos, bon, celle-là on l'a. Donc bon, bah voilà, ça partira dans les doubles. La Mélodelphe, bah alors là je me suis trompé, eh oui, voilà. La petite Philali en holo qu'on n'avait pas, donc ça vient compléter, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Ensuite un petit Mélodelphe et un Kelorior en rare reverse. Alors ça par contre c'est top. La Mélodelphe, peut-être qu'on l'avait, faudra que je regarde, la Kelorior on ne l'avait pas. Donc ça c'est nickel. Bah écoutez, ça reste quand même une chouette ouverture. Ouais, des super belles holos, ça c'est sûr. Bon, moi perso, ouais, la Démolo j'adore, mais alors la Philali, je la trouve vraiment jolie. Je la trouve vraiment jolie. Bah écoutez, bah nickel. Bah voilà, bah, vidéo terminée, ouverture terminée. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, même s'il n'y a pas d'ultra. Il y en aura la prochaine fois, parce que là-dedans, il y a en général, voilà, il y a deux légendes. Donc s'il y a deux légendes et qu'on n'en a pas tapé dans ce display, ça peut être pas mal du tout. Donc on verra ça la prochaine fois. Donc moi je vous le redis juste que demain, du coup, pardon, il n'y aura pas de vidéo, on vous fait plaisir. Parce que bon, c'est une date un peu spéciale. Donc voilà, il y aura une toute petite vidéo, elle sera vraiment petite hein, la vidéo. C'est rien de très fou, mais voilà, c'est juste pour l'occasion en fait. Donc nous, normalement, on se retrouvera lundi. Tout va dépendre surtout du retour de Brocante. S'il vaudra le coup, je pense qu'il n'y aura pas de display. Mais bon, donc ça, bon voilà, on a encore le temps de voir. Donc, bah voilà, bah écoutez, bah n'hésitez pas à liker avec le gros pouce bleu. À partager aussi, parce que c'est très bien de partager. Donc n'hésitez pas non plus à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis, profitez à fond de votre passion. Vous le savez maintenant, c'est notre créneau. Et puis voilà, portez-vous surtout super bien. Et à très très vite. Allez, salut à tous.